Bonjour, bonjour à tous. On va arrêter. Alors, j'espère que la musique va pas reprendre de manière inopinée, mais ça devrait aller. Retour, premier retour du choix du public sur un jeu. C'était hier, le premier épisode sur Castlevania, et j'ai envie de continuer un petit peu ce Castlevania Harmony of Dissonance. Je pense que le son est bon de mon côté. Normalement, ça devrait être ok du vôtre aussi. Vraiment, c'était bon hier, donc vu que j'ai rien changé, ça devrait être bon également. Et on continue l'aventure avec Vlad. On avait rencontré la mort. Alors que là, c'était l'arène, on a rencontré le gros slime. Pouvoir de la pluie, hein, toujours aussi destructeur. Et donc on va. Oups. Problème, c'est que ça vire les ennemis de l'écran et qu'une fois qu'ils sont plus dans l'écran, ils prennent plus de dégâts. Mais. Et ça me permet de nous téléporter à nouveau dans la deuxième moitié du château, j'imagine. En tout cas, dans la prochaine partie qu'on va explorer. J'ai à peu près tout exploré, ce qui était explorable. Le bouquin, est-ce que je préfère le bouquin? Il fait quoi déjà le bouquin de... Ça faisait mal le petit piquant, mais. Alors que j'ai récupéré la tour clock, j'imagine que c'est pour ma petite maison. On va sauvegarder. Ça va rien, toujours. On croit une sauvegarde, on sauvegarde. On va pas commencer à faire. Genre, je sais pas quoi. On va le tuer. Et level max. Enfin de la vie en plus. Bien. La musique elle pète quand même vraiment un câble à des moments. Pas trop, ouais, ça se fait quand même pas mal de dégâts.
passé. Pourquoi elle reste en bas comme ça? C'est très bien, mais... Encore un boss plutôt gratos. Non, ça, ça fait... Ça a l'air de rien faire. Ok, ok, continuons. Arabaki, je sais pas tout ce que ça fait. Non, je vais plutôt aller voir ce qu'il y a au-dessus. Ok, mais il y a juste un Windcloak. Est-ce que c'est bien? Ça va être body, j'imagine. Non, c'est pas body. Le cloak a high resistance to wind. Mais qui est quand même plutôt moins bien dans l'idée. Quelques argent, pas grand chose, 30 balles. Je vais remettre la pluie, ça m'avait l'air mieux. Je vais. Est-ce que je peux passer en haut? Kaiser Knuckle, c'est pas une... pour être une arme ça, non? Non. And... Kaiser Knuckle... Ça a été porté par les empereurs. Ça diminue pas mal ma défense et ça augmente de 3 mon attaque, donc je vais pas le prendre. Y a un cadavre dans le truc là, ça doit pas être terrible de se le prendre le piquant qui dépasse. Et là j'arrive au boss. C'est ça. Je vais voir ce qu'il y a en bas plutôt. Faut que j'arrête d'aller dans le piquant. Parce que ça fait mal. Okay, une grosse potion de mana. Très très mal joué à ma part, mais. Et une grande potion. Level 2. Ok, là je suis bloqué également. De tomber systématiquement de ces putains de trucs.
aucune idée du temps pendant lequel ça va me tourner autour. Vraiment un petit peu de temps quand même. Ok, là il y a un truc à récupérer, mais du coup faudrait que j'aille depuis en bas, j'imagine. Parce que je peux pas rentrer. J'ai l'impression que j'ai moins de trucs au fur et à mesure. Ok. J'arrive déjà contre un autre boss. Mais il y en a partout! Marqué Saint Légion, ça va pour qu'elle est. En tout cas, pour le moment, elle a l'air un peu naze, hein, Légion. Tellement de dégâts. On doit être mort là quand même, non? T'es bientôt mort. Ok. J'ai cru qu'il était mort parce que j'ai plus de dégâts, alors que c'est juste que j'étais plus sur sa zone de dégâts. Ah, donc, en fait, on peut plus le taper à ce moment-là. Très bien. Enfin, très bien, je sais pas, mais je note, j'en prends bonne note. De la vie, petite potion de vie, mais bon, de la vie quand même. Et un lit king size, attention, on pourra dormir avec notre copine quand on l'aura sauvée. Il n'y a pas de bras. Quel con. J'ai tué mais j'ai quand même pris des dégâts.
c'est pas un peu de l'arnaque ça? C'est marrant ça, les fenêtres là qui. Avec des ombres. C'est bien fait. Encore une petite potion, il y a pas mal d'objets à récupérer un peu partout au moins. Ah mais là-bas c'était fermé par une porte magique si je dis pas de conneries. J'ai vraiment partout l'impression qu'il y a des trucs cachés et tout, alors vraiment non. Donc un peu de vie encore une fois. Ils sont chiants à battre les épées, enfin jusqu'à battre et affronter. Hint card niveau 6, enfin numéro 6. Non mais si je peux y aller. Et récupérer la statue de héros. J'avais pas vu la plateforme. Et voilà, et là c'est fermé aussi. On récupère des trucs, on fait les courses, mais bon. Je vais me soigner, avant d'être mort. C'est pas par là que j'ai... Si, je peux que je redescende. Je vais aller voir en bas plutôt. Peut-être ça vient. Ah cool.
continue à prendre vite des niveaux en tuant quelques ennemis, donc c'est cool. Non, je garde la croix, hein, c'est vraiment trop bien. C'est hyper fort pour explorer, c'est hyper fort contre les boss. Turquie, c'est dinde, hein, je pense. Aucun sens, mais. Que je l'ai pas vu, lui. Ah, comme dans Dark Souls. Et le mec, il sort des miroirs et après, il essaie de nous taper. J'arrête de prendre systématiquement un coup quand le mec sort du miroir. Ah, et là je peux progresser. L'aqueduc des dragons. Là, la sauvegarde, elle a pas un truc sur le côté, un truc qui ressemble à un mur qu'on pourrait casser plus tard, alors que celle d'avant elle l'avait. Relou les fishman, d'habitude les fishman ils sont nuls. Le coup de poing aurait été balèze là aussi, je crois. Ah non, 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 je m'en fous de tout ça. Le squelette Link là, cassez-vous. J'ai l'impression qu'il y a un moyen d'ouvrir cette porte, mais au moins j'ai réussi à passer. Eh merde, je prends des dégâts sur le cadavre. C'est quoi ça? Medicine jar. Alors je sais pas si ça nous soigne ou si ça m'aide dans notre maison. Ok, là c'est pour remonter au-dessus à l'endroit où j'étais bloqué tout à l'heure. Mais je vais pas le faire descendre. Tellement longtemps cette attaque que je vais tenter de me recharger de tellement de magie. Sauf quand c'est comme ça hein, et que je me fais bolos, mais. On va utiliser une petite potion.
jeu, elle me... J'aurais fait gaffe à la carte, j'aurais pas utilisé de potion, mais tant pis. C'est un vieux tuyau dégueulasse, c'est ça? Ok, une anti-poison, j'imagine? Non, une curse. Mais anti-poison, c'est vert. Le poison, c'est violet, mais la potion, elle est verte. Et la curse, c'est verte, mais par contre, le truc est violet. C'est un peu chelou. Alors ça c'est trouvé au pif total hein. J'ai vu qu'il y avait un truc derrière mais je pensais pas que c'était juste fallait sauter hein. J'ai pas récupéré la putain de... Après ça se trouve la hache aussi c'est vachement bien. Méga fort, point de feu méga fort. Bah, le bouquin est là. Ok. Ah mais c'est pour ça qu'ils sont pleins en fait. Ils sont parfaits pour farmer eux, j'imagine. Ils font une heure de chier de l'XP en tout cas. On dirait que l'eau est déchirée. Comme si c'était un rideau. Y'a rien dessus, non, y'a rien dessus. Bon bah tout ça pour récupérer des upgrades de vie quoi. Ouais vous m'avez fait chier vous tout à l'heure, c'est bon. Je vous ai déjà assez tué comme ça. Thank you.
juste au-dessus. Cette sauvegarde là où il y a un truc à péter. En tout cas, ça ressemble vachement comme s'il y avait un truc à péter. Peut-être qu'il n'y a rien, mais je serais surpris. Donc tout ça, il n'y a rien. Là-bas, je crois que j'ai essayé de descendre et que c'était bloqué. Si je dis pas de bêtises, peut-être je me trompe. Et si le chemin c'est là-bas en essayant de descendre, là tout à droite, ça va être relou. Là c'est le bon que j'ai pas été encore. Hein, ouais. Ok, une petite rocking chair. Je pense que c'est un sacré paquet de chaises différentes et une vieille radio. Fais-moi l'argent. Oh, un truc là aussi. Bizarre robe. Bon, bah ça, y'a pas besoin d'aller voir pour douter que ça. Alors, je sais pas si ça améliore ou si ça diminue la glace. Ouais, c'est ça, ça. Ça diminue la glace. De la vie partout, mais bon, ça n'importe pas grand chose d'avoir de la vie partout. Non, pas de descendre. On va remonter. Ah, mais non, mais remonter, je peux pas parce qu'il y a le mur à casser. En haut, je peux pas non plus. Et voilà. Cette situation à la con là où du coup pas où aller quoi. Faut retourner tout là-bas à la sauvegarde. Ouais, j'imagine. Enfin, ça commençait tellement bien là, deux boss directs coup sur coup et... Ouais, s'il faut pas. J'ai une idée. On
tue trop facilement pour que ce soit un hasard, donc il faut sans doute le propulser dans le mur. On va dire que c'est ça. C'est déjà pas, de toute façon, hein, ça aurait pu être d'autres. Attention. Est-ce que je garde l'eau? Ouais, je vais garder l'obéit. Point, c'est bien, mais. Je comprends tellement pas à quoi servent toutes ces salles là. Je sors et que je reviens. Ok, donc en fait il faut faire ça mais en faisant le tour pour récupérer les objets. Bon, il suffit de bourrer. Full glissade comme ça les fullman il faut pas chier. C'est pas pour nous faire chier, hein, pas pour nous tuer. Mais en fait, on peut toujours passer par en haut parce que la boule elle vient là. J'étais un peu con de pas y penser tout de suite. Healing Mail et Earth Shocker. Qu'est-ce que ça fait ça? Healing Mail. When standing still, this armor restores this user HP slowly. C'est pas mal à avoir. Clairement, j'ai l'ancienne armor qui augmente encore plus ma défense. Ça valait le coup. Ah non, j'ai pas regardé ce que ça faisait l'autre. Earth Chapet Choker increase the apparence rate of big Earth. Ah oh, on s'en fout de ça. Autant il y a des trucs c'est cool, autant plus de big Earth. Et l'autre truc, hein, ça a l'air vraiment trop chiant de rester immobile pour récupérer de la vie. Lucky Ring et Racon Figure. Il
Increase user lag de 20 et ça de 10. Ouais, bof. Et c'est quoi le raccoon truc? Qu'est-ce que c'est un item à manger? The Red Book and the Dagger share a secret. C'est quoi alors? C'est un. Un truc qu'il y a là-dedans? Ok, d'accord, c'est une sorte de raton laveur empaillé, d'après ce que je comprends. Genre, je sais pas trop quoi penser de cette zone du coup. C'est genre juste une petite énigme avec des objets à récupérer au bout. Bon, c'est toujours bien, hein. Même si j'ai pas besoin d'augmenter les gros cœurs et que j'ai pas besoin de récupérer de la vie. J'ai l'autre truc, c'est un jour j'ai envie de faire le 100%, j'ai au moins les trucs qui drop la chance. En vrai, je pourrais les équiper. J'arrive pas à savoir si ça fonctionne vraiment ce genre de truc. Et là j'ai Guardian Helm, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui augmente plus? Ouais, les autres trucs du gardien qui augmentent pareil. Et la dague partage un secret, mais. Qu'est-ce qu'on a en bas? On continue à descendre. Où est-ce que je pourrais aller? Tiens, et là je suis re dans cette situation de merde où j'ai aucune idée d'où faut que j'aille. Ouais, bah si ça permet de dropper des potions comme ça doit valoir le coup, ça vaut le coup de garder les trucs au moins de la chance. On va arrêter de tuer tout ce qui bouge. C'est fou que ce soit pas là la suite, quelque part dans cette connerie. Mais en haut c'est bloqué. Et en descendant en bas, c'est bloqué aussi.
trouvé deux boss et ils m'ont rien filé quoi. J'ai récupéré pas mal de vie mais... Mais ça m'a rien donné. The dagger, cher aux secret. Qu'est-ce que ça veut dire? On sans doute qu'il y a un Red Book, peut-être que c'est la dague du feu qu'il faut faire à quelque part. Genre ça c'était pas fermé avant. En tout cas je peux explorer par là. Autant explorer par là. Il y a un truc avec toutes ces salles à la con là, avec les tombes et tout, mais... Mais quoi? Est-ce que c'est une sauvegarde aussi là? Okay. Celui-là est un peu plus dur. Mais par contre, faut que je dérive dans le bon sens, parce que ça va jamais le faire. Je prends tellement cher à vouloir bourrer. Tu m'étonnes qu'elle est déjà arrivée la truc. C'est le truc qui tournoie là. Un des trucs qui tournoie en tout cas. Thank you.
pas dû me rendre compte si je suis bien parti ou pas. Bien parti au début, puis. Non, j'étais pas loin du tout. Okay. Non, j'étais pas loin du tout. J'aurais pas chié les bonnes pilars, je pense que ça le faisait quoi. J'ai envie, je récupère le bouc de foudre, je récupère le... Qu'est-ce que c'est l'autre truc que je récupère? Je récupère une armure qui a l'air trop stylée, qui ressemble un peu à l'Ever Lasting Armure ou je sais pas quoi là, de la meilleure armure d'Area of Sorrow presque. Une des meilleures. Donc, j'ai un peu envie de l'avoir. C'est pas la merde. J'avais aussi bien que le coup d'avant, je me suis fait défoncer dans les piquants là ce coup-ci mais... C'est compliqué, les Magic G sont pas terribles en plus. De ce mec. Je trouve que c'est déjà la merde à cause des dégâts que j'ai pris. Voilà, ça a pas sauté, je sais pas pourquoi. Et merde. Je sais pas comment oublier ce mec. Y'a pas les autres petits cons qui me font chier en plus là. Allez, go.
Oui, c'est passé. J'ai tellement peur que ça passe pas. Je me suis tellement vu mort, écrasé dans la boule. Et on se met glitché dans le mur et c'est très bien. Ok. Bon. J'ai récupéré un nouveau truc. C'est pas ça. C'est pas dans ce machin là. Ça va être là-dedans. C'est pas une armure machin? Ah, ça doit être ça, non? Summer Close, non, c'est pas ça, Summer Close, non. C'est quoi? Ah mais ça se trouve c'est un... Ok, je vais essayer de toute façon un peu. La foudre, c'est une relique? Ça a plus de chance. Ça va avoir les dégâts. C'est ça que j'ai gagné, Lucky Cat, statue, on help in bring money, effectiveness. Non. Ah oui, ok, d'accord. C'est juste un truc pour ma maison. Par contre, j'ai récupéré la foudre. Mais je sais pas où est le chemin, par contre, il y avait un chemin à un moment donné. Il y a des vieux murs invisibles du cul. Ok, pour récupérer quoi? Fang of Vlad. C'est pas une relique ça? Ça ressemble à une relique hein. Ok, ça monte la défense. Alors pourquoi les dents de Vlad au moment de la défense hein? Ah, on peut pas passer par là. Oh, bah on fait le tour. Ah, ça reste sur la plateforme, ok, d'accord. Sauvegardons, j'ai pas envie d'avoir à refaire tout ça. Yes, save. Ah mais en fait j'aurais pu aller dans le truc de Vlad, tout tuer et refaire le tour de l'autre sens, ça aurait été beaucoup plus facile.
Ce que j'arrive pas à savoir, c'est si avoir récupéré le bout du tonnerre là, ça me permet d'ouvrir des endroits ou... C'est juste, bah voilà, vous avez récupéré le bout du tonnerre, soyez content. Y'a rien qui me le dit. Ça marche bien sur ça. Je vais aller voir au-dessus si c'est ouvert le chemin. C'est pas loin. Mais j'ai récupéré que une potion nulle. C'était la hache. Ça a l'air bien la hache pour clean l'écran, mais vachement moins bien que l'autre truc. J'ai l'impression que je fais ça, je suis quasiment sûr que je vais faire ça pour rien. Non, c'est mieux, ça va encore être fermé. Ah, allons voir, s'il y a un couteau, j'essaierai le feu. Dès que je trouve un couteau, j'essaie le feu. Et j'aimerais bien essayer sur un mur. Ça vaut pas le vent. Bon, après c'était sûr que ça servait à rien. Y a où je peux aller? Bon, y a tout en haut là-bas, mais c'est scellé. À moins que les trucs scellés ce soit. Je vais essayer d'aller voir. Va où c'est pour monter. Attendez, si je vais par là. J'ai remarqué que c'est scellé, mais est-ce que scellé ça veut pas dire que maintenant que j'ai les 4 magies, peut-être que je peux y aller?
tant que ça scellé, quoi. Il faut tenir à droite des potions, hein. Ça c'est cool. J'avais pas vu le sol de ce côté-là non plus. Slowcat with the magic spell. Non, ma théorie s'effondre. Tout droit là-bas, voir si je peux pas passer. Ça rend pas vite la vie, hein. J'attends de récupérer de la magie pour tester si je peux mettre un coup de poing dans le mur, mais... C'est fermé aussi. J'essaie d'aller voir, hein. Vu que j'ai pu passer dans un château, peut-être que je peux passer dans l'autre et que ça me permette d'ouvrir d'autres chemins dans le premier château. Thank you.
Je vois pas d'autre option de toute façon. Bah sinon j'avance là-dedans, dans le noir. Et face guard. J'ai pas de face guard là-dedans. Item design to protect the user face. Ouais mais c'est moins bien que le... plafond là pour être bien sûr de... Chaos Ring, normalement c'est bien. Create the strings of holy water. Ah non, mais c'est le point que j'ai moi. Bon, en fait, il fallait peut-être juste traverser cette zone dans le noir. C'est le cas et qu'il n'y a pas un... et que c'est pas genre que j'ai pas trouvé un chemin. Mais du coup l'exploration est plus facile vu que je peux regarder un peu. Ouais si, laisse regarder. Ok. Ouais parfait ça. Oh il y a un boss en plus, equipped. Item, non. Spellbooks. Ça va, on spamme la magie. Ok, ouais, il est déjà mort. Je sais pas si on est censé l'affronter avant, après. Je... Ouais, le couteau. Je vais garder le couteau. Hein. Je vais tester avec le feu.
truc qui disait machin, il partage un secret. Alors. Là, et là, la porte elle est fermée. Ah, et là, l'interrupteur pour passer. Ok, enfin. En espérant que ça reste ouvert à vitam aeternam. Mais ça se trouve c'est 2 points de vie. Ouais, comme ça. Ça a pas l'air fou. Hein. Ouais, ça c'est pas trop mal. Ça fait mais là j'ai pu ouvrir un chemin qui me sert à rien parce que j'ai déjà pu y aller de l'autre côté. De magie de toute façon quand je suis en curse. Il y a un spawn infini de trucs de ghost nul. C'est quoi ça? Nul, mais nul, c'est tellement nul. Bon, ok, une heure après ça retombe, mais bon merci quoi. Par contre ça s'appelait les trucs dragons hein. Cette zone là, pourquoi y'a pas de dragon? Ah merde, y'a un tout petit bout que j'ai pas exploré en haut. Je pense que ça vaut le coup de remonter pour récupérer un comment ça s'appelle? Un cœur. Exactement. Ça fait. C'est assez particulier hein, comme truc. Ça ressemble un peu au bouquin. Ça fonctionne. J'allais voir au bout là ce qu'il y a. Oh merde. Okay, c'est comme les petits links mais en gros. Nail of Vlad, c'est une relique ça encore.
Qu'est-ce qui augmente la force? C'est pas mal qu'on puisse les désactiver si on n'a pas envie de rouler trop sur le jeu. Ah, je suis vraiment pas fan, hein. De tout ce que ça fait, y a rien qui m'a vraiment convaincu. Ah, et là, je suis rebloqué ici. Je suis requéblo à cet endroit du cul. Oh, puis il va falloir que je retraverse la putain de zone dans le noir. Oh, j'ai pas envie. Sauvegarde là, non? Ah non, je suis pas obligé, je peux repasser par l'autre chemin que j'ai débloqué tout à l'heure. Du coup, je vais faire ça, mais ça change pas que je suis quand même bloqué. J'ai trouvé un raccourci pour aller là où j'avais tout exploré, enfin, où j'avais déjà exploré. Alors, j'ai trouvé des objets, certes, mais. Rester ouverte. J'arrive à cet endroit nul là. Tout le reste c'est fermé, c'est scellé, c'est il y a un truc. Toutes les autres pièces là dans cette partie là. Il n'y a plus rien là. Pas descendre.
J'ai zéro idée. Par là, si j'aurais pu retourner au premier téléporteur. Parce qu'en fait là, je repars de ce côté-là, mais ce côté-là, j'ai tout fait aussi. Il n'y a pas d'endroit où j'ai pas été ici, dans ce morceau de château. Je suis bloqué par le même mur en bas, par le même mur en haut. Pourquoi j'ai un couteau nul, ça sert à rien. Est-ce que j'ai encore l'armure qui rend de la vie? Je sais pas pourquoi je me suis fait chier à l'affronter. Ça peut retomber dans la pièce d'à côté, c'est marrant. Une petite potion. Je remonte, ouais, de toute façon. Je vais avoir le choix. Je vais retourner dans ma maison, voir s'il se passe un truc.
vais aller voir là quand même, mais là je crois que j'étais bloqué. Pas fou quoi, les endroits où je pense être bloqué, je suis bien bloqué. Peut-être que je peux aller par en bas. J'ai l'air d'être tellement loin d'une save. Ah, où est-ce qu'il faudrait que je descende? Non, faut que je descende après. Puis là, je suis sûr que ça va m'amener à rien du tout. Hein. Chelou cet endroit là, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ah mais non, c'est vrai que là il y a un mur aussi. Non, en plus il y a un truc derrière donc ça collerait pas qu'il y ait un truc caché dans le mur. Et tout là-bas c'est bloqué si je dis pas de conneries. Là il y a les tableaux. Non.
ça, et là il y a un putain de truc. Regardez quand même qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir ces putains de murs qui se cassent là. C'est pas possible. Okay, donc ce sera un objet dans le menu. Au feu, au rang de la vie, très costaud. Badana, un casque très costaud, un truc en métal, un truc qui tient chaud, machin de l'armure, protège les chevilles, le truc oui, rouge. Ça protège. Un truc qu'on peut acheter partout. Améliore le couteau. Les trucs. Des coups de poing de l'empereur. Ah, mais ça permettait de voir dans la nuit. Donc j'aurais sans doute pu utiliser ça pour traverser l'autre zone à la con. Et là, je vois pas de truc qui permet de casser les murs. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut pour ça, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire, je comprends pas où est-ce que je peux aller là. Tous les chemins sont bloqués. Le seul truc que j'ai pas, c'est le machin qui était bloqué dans l'ascenseur, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir.
Donc bon, tant pis. Après 2 heures, un peu moins de 2 heures, 1 heure 3 quarts d'effort. Je vois vraiment pas. Hein. Je vois vraiment pas. Il y a un endroit où il y a un ascenseur à la con, ou peut-être c'est là, mais je voyais pas comment récupérer le truc en haut de l'ascenseur, vu qu'on pouvait pas le descendre. Je sais même plus dans quel château c'était. Mais bon, tant pis. J'en reste là. Je sais pas quand est-ce que je reprendrai ce jeu. Une prochaine fois. Une bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.